grave is a grave. There's not a religion in the world that says a person's soul was buried with them in their grave. It's not your mother in there. You don't believe in any of that stuff, huh? You don't believe there's anything after you die? Me personally, no. I believe you die and that's it. That doesn't scare you. To think that one day you'll die, you'll be over. You won't be anything, you won't know anything, be nothing. Look, Nick, you want to visit your mother? Let's visit your mother, because the conversation is stupid. It isn't stupid, it's interesting if you're gonna die. Well, I'm not gonna die, so I think it's stupid. Yeah, well, you are someday. Look, Nick. You're gonna die someday. I'm not gonna stand here at 1 o'clock in the morning and discuss what's gonna happen to me when I die. I mean, that mishigas I leave to the Catholics. Aren't you gonna die someday? Aren't you gonna die someday? Aren't you gonna die someday? Nick, I'm not gonna... Oh, I wanna know, are you gonna die someday? Nick. Tony. Hi. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. T'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Bon, Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, prostitue. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie. Okay, let's find a tombstone. What town is this? What difference does it make? I don't understand. I don't know what to do. What, am I going to see them? Oh, no, no. No, they're not buried here. We're going to pretend. All dead people's together anyway. Doesn't make any difference. I don't think I should do this. I mean, I don't mind. I don't mind a lot of things. But this is a little gruesome. No. You always gotta say goodbye. Dead people are... It's like... What's it like? Like a ship. Did you ever see a ship sail? No. Well, it's like those dreams we were talking about. Here. These are nice. Any of these. Those are nice stones. Now go on up there and you kneel down and, you know, just say whatever comes into your heart. Where are you going to be? I'm going to be right here. Oh, how are you? I missed you. But then you know how it feels. I had a dream about you the other night. And I'm in. Hi.
bienvenue. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons le plaisir aujourd'hui et l'honneur de recevoir à notre table dans les studios de Canal B Thierry Jousse. Bonjour Thierry. Mes respects messieurs. Merci. que nous avions déjà reçu, mais ça ne va pas m'empêcher, nous empêcher de refaire des petites présentations. La dernière émission qu'on avait pu faire ensemble, c'était à propos de David Lynch. Il y avait eu quelques couacs techniques, mais elle est quand même là, cette émission, et je suis ravi qu'on ait pu la faire. Je suis ravi, malgré tout, que tu sois présent là avec nous pour faire une émission à peu près correcte techniquement. En tout cas, je attends, l'espère. On ne sait pas encore. Évidemment, évidemment, je brûle un petit peu les étapes. C'est surtout qu'en fait, ça fait déjà très très longtemps qu'on en parle entre nous, depuis qu'on t'a rencontré, je crois. C'était il y a, oulala, très très longtemps maintenant, dans le sud de la France. On avait enregistré d'ailleurs une émission, mais évidemment. Pas dans les studios de Canal B, dans les studios de Radio Bartas à Florac, en Lozère, où on avait fait une émission sur un peu la cinéphilie de façon générale. Voilà. Voilà. Il est enregistré un dimanche matin. Ouais, et là, il n'y a eu aucun problème technique. Et pourtant, je sais qu'il aurait pu y en avoir. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, depuis cette rencontre, il y a une émission qu'on a repoussée encore et encore, malgré les occasions qui nous étaient proposées, malgré la sortie d'un gros livre chez Capricci, malgré même dernièrement encore la sortie d'un Blu-ray, c'est chez Whiteside, Gloria, donc. Cette émission spéciale Cassavetes dont on parle depuis bientôt 15 ans, nous ne l'avons jamais faite. Et donc, comme je le disais, ta rencontre, évidemment, nous a donné envie, en tout cas moi, m'a convaincu que cette émission, il fallait la faire avec toi. Pourquoi avec toi? Les gens le savent sans doute, mais on va le répéter encore une fois. C'est toi qui, en France, as écrit le premier ouvrage sur Cassavetes en 89. C'était édité au Cahier du Cinéma. Alors, tu n'étais pas encore rédacteur en chef à cette époque-là. Non, c'était quand juste le livre après. Est sorti, je venais de passer rédacteur en chef adjoint. J'avais une petite promotion, mais... Félicitations. Voilà, déjà. En tout cas, voilà, tu as écrit ce qui reste en plus un ouvrage en français, parce que depuis, on a eu deux, trois autres livres, hein, essais critiques ou autre chose sur Cassavetes. Mais ce que tu avais écrit à cette époque-là, alors que tu étais très jeune encore à l'époque, tu nous le disais hors antenne, et félicitations. Oui, j'avais 5 ans. C'est ça, exactement. Quelque chose comme ça. Tu étais très, très jeune. Voilà, c'est, je tenais aussi à dire que c'est le premier livre, en fait, qu'Antonin m'a offert. C'est sans doute le dernier d'ailleurs aussi, c'est le seul cadeau qu'il m'ait fait. Comment fait. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour t'avoir offert quelque chose? Je suis très touché d'assister à cette scène. C'était en effet, je pense, il y a 16 ou 17 ans, Antonin m'a offert ce livre. Et j'aimerais bien que depuis, tu m'en offres d'autres. Hein. tu fais de beaux cadeaux, continue Antonin s'il te plaît. Donc voilà, c'est, en effet, on participe tous ensemble à un moment. C'est donc un objet transitionnel comme on dit entre vous. Exactement, alors non, moi je le garde hein, maintenant. On va partir de cet ouvrage. J'aimerais qu'on évoque, alors comme je te le disais, on n'a pas de plan préétabli. Tu terminais ton ouvrage par une question qui, moi, m'intéresse beaucoup et de plus en plus aujourd'hui. Et je me permets de te relire, si tu veux bien. Je vais essayer de ne pas faire de grosses bafouilles. Que restera-t-il de John Cassavetes ? Une exceptionnelle énergie de vie, une manière de brouiller les frontières entre la vie et les films, une affirmation d'existence qui excède le cinéma. Aucun plan ne vaut d'être filmé s'il n'est pas authentifié par la fatigue, le courage ou simplement l'intensité. Aucun film ne vaut d'être vécu s'il n'est pas animé par une flamme collective, une vigueur personnelle, une dépense existentielle. Qu'est-ce que le cinéma ? Une manière de vivre et rien d'autre. Aujourd'hui, il reste... Malgré tout, alors c'est justement la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il reste du cinéma de John Cassavetes et de la personnalité même qui représente un petit peu aujourd'hui donc l'imaginaire collectif ou l'imaginaire en tout cas cinéphilique de mon point de vue en tout cas. Il reste beaucoup d'idées reçues que malgré déjà à l'époque hein, tu cherchais à justement briser quelques idées reçues, mais elles restent quand même présentes. Avant de briser encore une fois ces idées reçues, selon toi aujourd'hui justement, qu'est-ce qui reste de John Cassavetes? Qu'est-ce qu'on garde de lui? Si j'avais su que tu me poserais cette question 30 et quelques années plus tard, j'aurais peut-être pas écrit, mais enfin bon, il faut que je réponde de mes actes. Mais il faut peut-être faire une petite généalogie, disons, de la fortune, entre guillemets, critique de Cassavetes, ou de fortune cinéphilique de Cassavetes, parce que quand j'ai écrit ce livre, qui d'ailleurs n'était pas tout à fait le premier, parce qu'il y en avait eu un autre avant, qui avait été co-écrit par Denis Lenoir, le chef opérateur, et Laurence Gavron, qui à l'époque travaillait pour
pour cinéma. Bon, bref, un petit livre beaucoup plus, on va dire, plus court, et mais qui était quand même historiquement le premier. Bon, bref. Oui, quand j'ai écrit le livre, donc fin des années 80, Cassavetes, c'était à la fois beaucoup pour certains cinéphiles, mais pas grand-chose pour plein de spectateurs de cinéma qui connaissaient vaguement son existence. Mais enfin, c'était pas un cinéaste si... Il était culte, si on peut dire, pour un certain nombre de gens, mais voilà, pas pour tout le monde. 3 ans plus tard, Gérard Depardieu et Jean-Louis Lévy achètent les droits de 5 films qui, pour certains, n'étaient jamais sortis en salle, hein, notamment Opening Night et Faces, mais il y avait également Une femme sous influence, Meurtre d'un bookmaker chinois et Shadows. Bon, donc ça constituait quand même un peu l'ossature, on pourrait dire, de Cassavetes. Et là, tout d'un coup, il y a tout un nouveau public qui débarque sur Cassavetes et qui découvre. Je me rappelle même à l'époque j'ai été parce que du coup mon livre a si bien marché à ce moment-là, bon tant mieux pour moi, et je me souviens être allé à une soirée organisée par des gens de la pub autour de mon livre, ce qui m'était jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais après, fort heureusement pour moi d'ailleurs, et ouais, c'est à quel point les pubards, comme on disait, ou les gens de la pub, s'étaient entichés de Cassavetes. Je me souviens qu'à l'époque je connaissais un peu Jean-Baptiste Mondino parce que je l'avais rencontré pour faire un truc avec lui dans les cahiers, puis après on s'était revus. Lui, il était fan de Cassavetes, vraiment, totalement, mais avant même qu'il y ait eu la ressortie des films, hein, par exemple. Bon, voilà. Il y a eu comme ça une espèce de circulation d'énergie, on pourrait dire, voilà, autour de Cassavetes, qui a été très très forte. De plus, il y avait des cinéastes qui, à leur début, pouvaient être classés entre Cassavetes et Piala, qui était l'autre cinéaste vraiment influent de la période. C'est-à-dire, je pense à Cédric Kahn, par exemple, les deux premiers films de Cédric Kahn, Barre des rails, et surtout le film qu'il avait fait pour la série Arte, ouais. Pour Arte, donc je le nommais Trop de bonheur, qui avait une sorte de possible filiation, hein, même si je ne suis pas sûr que lui, Piala, il aurait certainement lui vécu, puisqu'il avait été assistant, mais Cassavetes, bon, il y avait Stevenin, il y avait Grand Perret, il y avait des gens comme ça. Bon, il y avait donc, voilà. Et puis, curieusement, bon, donc ça a duré un certain temps, tout ça, peut-être jusqu'à la fin des années 90. Puis après, j'ai l'impression que Cassavetes a disparu un peu de la circulation, pas complètement, hein, évidemment, mais qu'il a été un peu oublié, comme ça arrive. On est passé à autre chose. David Lynch est passé par là, par exemple. Il n'était plus l'espèce d'objet cinéphile, comme ça, privilégié pour plein de gens. Et puis là, depuis quelques années, il y a eu une rétrospective, il n'y a pas tellement longtemps, à la Cinémathèque française à Paris. J'ai l'impression que ça revient un peu, que tout d'un coup, bon, vous êtes des fans de Cassavetes de la première heure, donc c'est autre chose. Mais disons, il y a un certain nombre de jeunes gens, de gens, bon, je suis allé à la Cinémathèque parler de Cassavetes après une séance de je ne sais plus quel film ou avant. Bon, la salle était pleine, il y avait plein de gens jeunes, et donc je pense qu'ils n'étaient pas venus pour moi, ils étaient venus pour entendre quelqu'un qui était censé savoir quelque chose sur Cassavetes. Donc voilà. Donc je vois un retour un peu de Cassavetes sur la qui est comme un retour du refoulé, c'est-à-dire que à partir du moment où le cinéma est devenu à la fois très numérique, très domestique, c'est-à-dire que les gens voient beaucoup les films chez eux, où il y a une espèce, on a l'impression que c'est comme le retour d'un truc de boule d'énergie, enfin de un peu ce que j'écrivais effectivement à la fin de ce livre, c'est-à-dire que c'est comme si on avait besoin de la chair, quoi. Ça, tout d'un coup la chair est une nécessité, et là il n'y a pas mieux que Cassavetes là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a un cinéma incarné dans le sens, tous les sens du terme, bon, après son influence sur le... Donc je pense que c'est ça, oui, c'est comme un retour d'un refoulé du refoulé numérique, quoi. Après, est-ce que ça n'a pas à voir aussi je te coupe peut-être dans ton élan, avec la place un petit peu singulière qu'a Cassavetes dans le cadre du cinéma américain, parce que Cassavetes, et je crois que c'est d'ailleurs une phrase que tu dis dans ton dernier bouquin, c'est la raison d'ailleurs de ta présence à Rennes, ton livre, ton dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, où tu dis Cassavetes, l'homme qui a inventé le cinéma indépendant américain. Et je pense à ça parce que je me dis Cassavetes, c'est effectivement celui qui est quelqu'un qui a réussi à faire du cinéma profond américain, mais en dehors tout à fait, enfin complètement dans la marge, alors qu'on sait que le cinéma américain, toi tu es un amoureux de ce cinéma-là, on est tous les deux, Étienne et moi, des amoureux de ce cinéma-là, mais c'est un cinéma qui ne s'est pas construit dans la marge, qui s'est plutôt construit dans la norme, où en contrebandier, comme dirait Scorsese, il y a eu des artistes, des auteurs qui se sont infiltrés pour un petit peu faire changer cette norme-là. Mais alors que Cassavetes, lui, au contraire, a plutôt fait un cinéma qui presque à l'européenne, on pourrait dire. Et c'est marrant que tu rapproches ça de Lynch, parce que Lynch aussi, c'est quelqu'un
qui est quelqu'un d'extrêmement singulier dans le cadre du cinéma américain. Il n'y en a pas beaucoup dans le cinéma américain, des gens qui sont profondément, entièrement singuliers. On peut adorer plein de cinéastes, des De Palma, des Ford, des Hitchcock et tout ça, mais c'est des gens qui ont œuvré dans le système. Lynch comme Cassavetes ont œuvré, non pas complètement peut-être à l'extérieur du système, mais ont proposé quelque chose qui leur est complètement propre à la manière justement d'un cinéma d'auteur à l'européenne, on pourrait dire. Oui, c'est possible que ce modèle qu'il a inventé quasiment, enfin, pas tout seul, mais presque quand même, quand il fait Shadows, les prémices de Shadows, c'est 57, là, on est vraiment dans une autre histoire du cinéma américain. À l'époque, c'est Hollywood, point. Il y a du cinéma très, très, très underground, Kenneth Anger ou ce genre de choses. Mécasse. Du cinéma expérimental, oui, ou Mécasse, mais très, très marginal, donc très new-yorkais. Donc, sauf Kenneth Anger, bref. Mais en tout cas, c'est pas ça non plus Cassavetes. C'est vraiment de faire un cinéma quand même narratif, mais en dehors des canons des studios, quoi, tout simplement, pour avoir cette forme d'indépendance. Bon, il a fait quand même quelques films avec les studios, mais en général, ce n'est pas ceux qui sont les plus valorisés. Oui, ça, je pense que ça fait partie des raisons du retour, peut-être, même si les gens ne le savent pas forcément, d'ailleurs, du retour de Cassavetes un petit peu au premier plan, ou relativement au premier plan. C'est cette figure-là, oui. À un moment donné, on voit que le cinéma américain arrive dans un angle mort, là, aujourd'hui, peut-être, et qu'il est, enfin, qu'Hollywood, en tout cas, est quand même très... on se retrouve aujourd'hui, comme dans les années 50. Bloqué, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a le même schéma un donc peu on peut trouver, il y a quelques cinéastes qui échappent à ça, dans le genre Kelly Richard par exemple, ou Paul Thomas Anderson, ou James Gray, bon, pour prendre des exemples de gens que tout le monde connaît, mais enfin c'est vrai qu'il y a... Mais la troisième raison que je verrais peut-être à un retour de Cassavetes, ça serait peut-être plus de lien avec le livre de Muriel Joudet, que d'ailleurs je n'ai pas lu, mais enfin qui est consacré à Gina Rowlands, je crois que ça s'appelle La Seconde Femme. Et chez Capricci. Chez Capricci, hein. C'est que c'est un cinéaste... Qui propose quand même des grandes figures féminines, enfin des portraits, ou je sais pas si on peut dire des portraits parce que c'est pas tout à fait ça, mais enfin on l'a beaucoup identifié à un cinéma de mecs, bon, à cause d'Asbuns par exemple, où là effectivement c'est trois mecs qui sont ensemble pendant tout le film, qui est pas forcément son plus connu aujourd'hui. Non, ça d'ailleurs a changé peut-être, depuis, mais c'est vrai que les films de Gina Rowlands, que ce soit Une femme sous influence, Opening Night, voire Gloria, mais surtout je dirais, je pense Une femme sous influence et Opening Night qui sont un peu les deux films pivots de la période pour plein de gens, c'est des films qui ont sans doute aussi cette vertu-là, dans une période où il y a un rapport plus féministe au cinéma. Bon, peut-être que Cassavetes fait partie des gens qui sont adoubés par la période contemporaine, parce que voilà, après jusqu'à un certain point, parce que non, je parle pas des plus radicales parmi les féministes, mais en tout cas voilà. Non, mais en effet, mais étant donné, enfin le fait est qu'il laisse sa place de façon à tous les personnages. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où il offre le personnage principal à un personnage féminin, à savoir bon, en l'occurrence c'était Gina Rowlands, là d'un coup en effet aujourd'hui moi j'ai revu Opening Night cette semaine, c'est vrai que le personnage féminin, on a l'impression qu'il évoque des problématiques très contemporaines en fait, hein, mais au-delà des thématiques abordées même du personnage féminin, c'est vrai que moi je trouvais ça intéressant que tu évoques ce creux, c'est-à-dire qu'en effet il démarre, ça va être à la fin des années 50, il est passé par la télévision, c'est l'époque où le cinéma américain est dans un creux, dans un âge de plomb un petit peu, et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait finalement dans les années 2010 ça a été aussi un âge de plomb pour le cinéma américain, monopolisé par Marvel et autre chose. On a eu 10 ans d'âge de plomb comme ça. Il y a peut-être un moment où justement ça va rebondir, et je trouve ça presque naturel qu'une figure comme Cassavetes qui a œuvré en marge, en parallèle en tout cas des studios, parce que comme tu le dis dans le livre, il est pas contre les studios non plus. Hein, il a un pied dedans. Il cherche pas à aller forcément contre le système, mais à travailler à côté pour garder son indépendance. Ça, je trouve ça naturel entre guillemets que cette personnalité et cette façon d'œuvrer réapparaissent en fait sur le devant de la scène, mais j'ai pas le sentiment non plus pour le moment que quelqu'un malgré quelques, bon, en même temps il était à part aussi Cassavetes, hein. Tu as cité quelques noms tout à l'heure. J'ai pas l'impression que ça lance particulièrement quelque chose. Hein. Non, parce que son rapport à la durée, les séquences sont longues. Hein, chez Cassavetes, dans certains films, on parlait d'Asbuns ou d'Une femme sous influence, il y a quand même des très très... Les grandes séquences de Cassavetes sont des séquences qui durent 25 minutes. Ça me paraît assez un peu improbable. Ça, aujourd'hui, dans le cinéma, sauf ça, si on est vraiment dans un prototype totalement à part, bon, pourquoi pas, ça peut toujours arriver, parce qu'on ne sait jamais, mais c'est vrai que on ne peut pas dire que ce soit dominant. Ça n'était pas dominant à l'époque non plus. C'est ça, ce que j'allais dire. Mais quand même, si on regarde, quand même, si on met en relation
sont quand même pas les débuts de Cassavetes, qui sont là, c'est vraiment des débuts d'un pionnier. Mais à partir de Faces et pour les films des années 70, Husbands, Minnie Moskowitz, ouais, Une femme sous influence, Mort d'un bookmaker, tout ça, c'est quand même des films qui résonnent un peu avec la sensibilité contemporaine du cinéma américain. Alors, pas moins radical que lui, mais de certains des premiers Scorsese, de Vanda, de Barbara Loden, j'en sais rien, même de, je sais pas, des premiers films de Bob Rafelson, enfin, je dis un peu ce qui me passe, les noms qui me viennent un peu à l'esprit comme ça spontanément, mais enfin bon, il y a une partie du cinéma américain qui est quand même, je sais pas si elle est influencée réellement par Cassavetes, mais enfin en tout cas qui résonne, qui peut se mettre en relation avec son cinéma, alors qu'aujourd'hui en effet ça serait sans doute beaucoup plus compliqué, parce que même les cinéastes indépendants, entre guillemets, ou plus ou moins indépendants que je citais, ils sont pas très cassavétiens, au fond. Même Kelly Richard, pour moi, elle a très peu de rapport, elle a aucun rapport même avec Cassavetes. Et puis l'autre chose, et c'est quelque chose que tu évoques déjà dans ton livre, je crois, c'est que lui-même, en fait, il est influencé en fait par des genres, c'est-à-dire que justement il fait un cinéma très américain. C'était l'une des idées reçues justement qu'on a encore un peu aujourd'hui, justement il est récupéré par la critique française, la critique européenne et par certains peut-être cinéastes français ou européens, même à l'époque, hein, Stevenin par exemple. Mais lui, il est influencé par le cinéma américain, c'est-à-dire que ce soit Preston Sturges ou quand il fait du film noir avec Meurtre dans la première chambre. Enfin, il est influencé par ce cinéma américain-là qui tente de je crois que j'ai pas noté la page où tu le disais, mais il tente de redonner de donner un second souffle à ce cinéma en lui enlevant certains clichés ou certaines conventions en fait, de lui donner un second souffle en fait. Mais lui-même est très influencé finalement par ce cinéma classique américain, et il aurait pu, s'il était né, c'est toi qui le dis, hein, 30 ans avant, vraiment œuvrer dans les studios et avoir une carrière peut-être comme Nicolas Ray ou d'autres cinéastes de Stacabby. Oui non, c'est sûr que ça j'ai pas changé d'avis là-dessus 30 et quelques années plus tard. Non, je pense que c'est un cinéaste profondément américain, et lui-même, mais il suffit de lire les entretiens qu'il a donnés, il s'est jamais revendiqué comme un cinéaste européen. Ses références, en effet, on peut lui trouver quelques références, il parle de Dreyer par exemple, mais c'était plutôt effectivement Preston Sturges, Capra ou John Ford, enfin ce genre de choses, quoi, des cinémas américains classiques, les comédies notamment, qui je pense sont un ressort qui fait partie d'un certain nombre de ses films, pas de tous, mais enfin Minnie de Moscovitz, c'est vraiment dans tous ses films on trouve en tout cas des oui, il y a des éléments de comédie. Minnie de Moskowitz, c'est quand même un retravail sur la comédie américaine. Tu l'as dit, Mort d'un bookmaker chinois, c'est un travail sur le film noir. Comme il y en a eu d'autres d'ailleurs dans les années 70, c'est intéressant à mettre en relation avec Le Privé d'Altman, par exemple, ou je sais pas, la Fugue de Arthur Penn, qui est moins connu, mais qui est intéressant aussi. Tout ça, c'est des films qui sont assez proches dans le temps. Donc, oui, moi, j'ai toujours tenu à ça, parce que faire de Cassavetes Cassavetes. Normalement, je crois qu'on prononce Cassavetes à cause de ses origines grecques, mais on me reproche parfois de dire Cassavetes parce que ça fait snob. Bon, donc je navigue entre les deux. Je sais pas trop comment. Pareil. Bon, bref. Allez, assume. Tiens, voilà, Cassavetes, donc à la grecque, si on peut dire. Non, c'est vrai que il a. Du coup, j'ai perdu mon idée évidemment avec cette petite digression. Parler des gens et de. Oui, non, c'est vraiment important parce que il sait jamais. Enfin, il a pas cette figure de. Il est pas influencé par la nouvelle vague ou par le cinéma moderne européen. Pas du tout. Hein. Il vient de. Je pense qu'il a même pas vu les films. Non, mais c'est ça. C'est... Commence à voir. D'abord, ils ont pas été faits, même quand ils commencent. Déjà. Et même après, on sent que c'est pas. Et dans le document où on voit le document, enfin le petit film qu'avait fait André Labarthe pour le cinéaste de notre temps à l'époque. Donc, on le voit en 65, alors qu'il vient de terminer le tournage de Faces, puis on le revoit en 68 à Venise après le montage et après la présentation du film là-bas, ou peut-être de passage à Paris. Bref, on voit bien qu'il ne se revendique pas particulièrement d'une proximité avec le cinéma européen, qui pourtant est à l'époque en pleine explosion. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans la période du cinéma moderne et tout ça. Et lui, non. C'est pas quelqu'un qui a voulu... il a voulu peut-être faire... Je sais pas s'il a voulu... Je crois pas qu'il... Oui, c'est ça. C'est pas un cinéaste de rupture. C'est pas un cinéaste révolutionnaire, au fond. C'est pas un cinéaste de nouvelle vague, justement. C'est pas comme la nouvelle vague. Au contraire... Encore que la nouvelle vague ait aussi un rapport avec le cinéma du passé. Évidemment. Mais c'est vrai qu'il a tendance à ne pas être
mis dans la génération d'Arthur Penn ou de Lumette, par exemple, des gens qui ont démarré à la télévision américaine, alors que lui, alors il n'était pas réalisateur, mais il était acteur, il a vu justement comment on faisait la mise en scène à la télévision, et il s'est inspiré de ça. Les gros plans, des choses de ce genre, ça vient aussi de son expérience. Voilà, le travail à plusieurs, ça vient de son expérience à la télévision, et en fait, il vient en partie, parce que c'est pas que ça sans doute, mais il vient en partie de cette génération de la télévision américaine des années 50, et voilà, et c'est comme ça qu'il apprend en fait, et parce que c'est quelque chose, que c'est une autre idée reçue, j'ai l'impression, encore sur Cassavetes, mais techniquement il y a une certaine maîtrise. Alors en effet il y a des choses un petit peu particulières chez lui certes, mais il y a une vraie maîtrise technique, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il montre et comment il va le montrer quand même, l'utilisation de certains objectifs, des choses, enfin voilà, le cadrage, le découpage, c'est pas n'importe quoi et c'est pas de l'improvisation. Mais en revanche absolument, mais par contre il est assez loin malgré tout des standards de découpage ou de raccord classique du cinéma américain ou du cinéma hollywoodien. Il invente quand même, quand on voit un film aujourd'hui comme Faces, qui est assez torrentiel comme ça, de je crois que ce film fait 2h20 et qui est un film dense, on va dire, oui. Qu'on n'en ressort pas indemne, mais c'est pas le mot, mais enfin on en ressort quand même rempli de quelque chose ou vidé, je sais pas, la façon dont c'est monté, c'est-à-dire avec des raccords quand même très très étranges au regard des règles traditionnelles, ça c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant, comme pour certains films de Godard dans un autre registre total, plus réfléchi, oui c'est ça, chez Godard il y a aussi des inventions qui continuent à être assez impressionnantes 60 ans plus tard ou 50 ans plus tard, donc ça c'est intéressant. Je pense qu'il n'avait pas, enfin, il savait évidemment qu'il était en rupture quelque part quand même avec avec Hollywood, c'est-à-dire. De toute façon, lui, son problème, c'est pas d'être révolutionnaire. Son problème, c'est de trouver l'incarnation, c'est-à-dire de faire en sorte que les films ressemblent un peu plus à la vie telle que voilà, et que on soit moins dans l'idée du spectacle et de la distance que ce spectacle hollywoodien crée avec nous, qui peut être une distance fascinante et évidemment incroyablement, je sais pas, précieuse par certains côtés. Mais enfin, à l'époque, il pouvait être perçu comme un carcan extrêmement pesant avec des clichés, avec des lieux communs. Bon, tout ça, c'est ça qu'il veut mettre, mettre à mal. Oui, mais même, il n'a même pas de volonté politique très puissante, c'est-à-dire que c'est vraiment pour lui qu'il le fait, tout en sachant, tout en pensant que ça ouvre sans doute des pistes à d'autres, bien sûr, au bout d'un moment, évidemment. Mais quand même, c'est d'abord pour lui, c'est parce qu'il a envie de faire ses films. Il ne peut pas faire les films autrement que comme ça. C'est un sentiment de quelque chose d'organique chez lui, il me semble. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de, c'est senti comme tel et il essaye de créer les conditions pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, comme finalement un artiste pense d'abord à lui, faut pas déconner, hein, je veux dire, les gens pensent d'abord à eux, ce qui est normal parce que d'abord il faut qu'ils fassent leur travail et leur œuvre, et ça c'est quand même pas, c'est beaucoup de boulot, on le sait, pour Cassavetes, 2 ans et demi de montage, 6 mois de tournage pour Faces, 2 ans et demi de montage à la maison dans le garage et ainsi de suite pour arriver à un film qui est même pas sorti en France à l'époque, alors que pourtant on était quand même dans un pays qui était censé promouvoir ce genre de... et qui a eu effectivement un prix à Venise, mais enfin bon, qui est aujourd'hui sans doute peut-être un classique, et encore, c'est un film qui est un peu rugueux, les gens préfèrent certains films des années 70, parce que franchement, Faces, ça, à côté, c'est un bloc comme ça, de puissant, et qui peut, pour certaines personnes, être un peu indigeste. Mais c'est ça, ouais, je pense qu'il a d'abord pensé, il a d'abord voulu créer les conditions pour pouvoir faire le cinéma qu'il avait envie de faire. Mais en même temps, il avait en tout cas, alors peut-être pas au moment de Faces, mais dans les années 70, il a cette envie de plaire entre guillemets au public américain, c'est-à-dire qu'il évoque lui-même dans son cinéma, et c'est quelque chose que tu dis aussi dans ton livre, hein, c'est-à-dire que ses personnages principaux c'est de l'américain moyen en fait la plupart du temps, et il évoque tout ça et il a envie, et il pense pas au public européen, c'est absolument pas quelque chose qui l'intéresse encore une fois, mais par contre le public américain évidemment il y tient, et ses films sont pas, il est loin de l'avant-garde, il est loin de, comme tu le disais, du cinéma underground aussi, et il cherche quand même à avoir non pas forcément du succès au sens très populaire du terme, mais par contre quand même à être vu, être regardé, être apprécié par son public américain en fait. Ah bah ces personnages en tout cas sont des personnages de la middle class, oui clairement, ça, la petite bourgeoisie américaine banale, typique, hein, des années 70, donc oui, ça effectivement il choisit des personnages, oui, qui sont je sais pas s'ils lui ressemblent, d'une certaine manière ils doivent lui ressembler, même si bon c'est un peu plus compliqué que ça, mais
qui sont en général en crise quand même. Ça, c'est aussi typique de la période. La folie ordinaire. Voilà, la crise est quand même là, elle couve, elle éclate. Enfin bon, c'est évidemment très clair dans Une femme sous influence, mais c'est vrai aussi dans d'autres films, bien sûr. Gina Rowlands en est le catalyseur, on va dire, le corps par lequel la crise passe comme si c'était de l'électricité. Donc ça, effectivement, ça reste très fort. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de volonté de faire un cinéma politique ou très engagé ou très, j'en sais rien, ou très, effectivement, très... C'est pas du tout un formaliste, par exemple. Même s'il y a des inventions formelles chez lui, on peut dire, c'est pas un formaliste. C'est pas quelqu'un qui recherche la forme. Ce qu'il recherche, c'est cette espèce de d'éclat de vie, là, enfin, de moments de vie, de moments où ça pète, quoi, quelque part, j'en sais rien, je sais pas comment le dire. Un peu, enfin, c'est un peu comme la corne de taureau dont parle Michel Léris, là, à propos de la littérature. C'est la littérature comme de la tauromachie. Bah, c'est un peu ça, c'est l'idée de la corne de taureau. Ça serait ça que, à sa façon, cherche qu'elle savait. Je crois que tu disais l'instant ou encore l'événement pur, un surgissement, sa durée, son intensité, c'est la matière même du cinéma de Cassavetes. T'écrivais bien quand même. Excuse-moi, mais t'écris bien. On se relit pas tous les jours. L'éphémère. Oui. Mais c'est par ça que je suis arrivé, par le cinéma de Cassavetes. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Cassavetes d'abord en voyant Une femme sous influence à l'époque en VF, parce qu'il y avait des versions françaises de certains films de Cassavetes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça m'a marqué, même si c'était à la télé, bon, voilà, dans un contexte des dossiers de l'écran. Bon, c'était assez pas très porteur, mais pourtant. Et après, quelques années plus tard, j'ai vu Asbuns quand il est ressorti en 80, milieu des années 80. Et là, c'est là où le choc a été vraiment le grand. C'est-à-dire que vraiment, cette espèce de... J'ai été submergé comme une espèce de... Je ne sais pas comment dire ça, mais de sentiment existentiel qui vous décape comme ça de quelque chose. Et j'ai été submergé, je crois, par le film. Je me rappelle très bien quand je suis ressorti du film avec ma compagne de l'époque. Enfin bref, il y avait tout un truc qui était unique. Ça, c'est vraiment, en effet... Voilà, c'est peut-être le cinéaste qui a pour moi le mieux filmé l'ivresse, ou le sentiment de l'ivresse, enfin, et de la gueule de bois qui va derrière, et c'est ça qui est fort. Parce que dis dans Husbands, il filme l'avant et l'après, voilà, ivresse, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'après, je pense que c'est beaucoup moins fort, et c'est l'après qui donne son sens à l'avant, si on peut dire. Et tout ça est dans un flux, en effet, qui est complètement organique, et évidemment, qui est incarné par des acteurs qui sont, on les connaît, hein, exceptionnel. Bon, Gina Rowlands, oui. Mais Peter Falke et Ben Zanzara, voilà, qui entoure Cassavetes dans Husbands, ça reste quelque chose. En effet, quand on les voit tous les trois dans un pub dans Husbands pour une séquence, en effet, qui dure 20-25 minutes, qui est exceptionnelle. Enfin, Et c'est marrant ce rapport à la durée, parce que j'aimerais bien que tu reviennes. Enfin, j'ai été marqué par l'anecdote que tu disais. Genre, à un moment, le milieu des pubards parisiens s'est entiché de Cassavetes en disant, ils y ont trouvé quelque chose qui les intéressait. Et c'est vrai qu'à vous écouter, je me dis, ouais, c'est marrant parce que c'est, tu l'as dit, Cassavetes, c'est pas un formaliste. Normalement, c'est pas un créateur de forme, on va dire. On sait que le milieu des pubards, en général, il va s'intéresser à une sorte de forme qui va répéter à l'infini pour la vider peut-être de sa substance, je sais pas quoi. Et je me dis, bah oui, effectivement, Cassavetes, on l'a dit, si on a une sorte de vision formelle du truc, on va se dire, oui, voilà, caméra à l'épaule, des raccords un petit peu secs et tout ça, une absence peut-être de tout ce qui fait un peu la grammaire conventionnelle du cinéma. Et effectivement, Cassavetes, je sais qu'on avait pu même se faire la réflexion à quelques émissions. Cassavetes est devenu, on va dire, dans les signes extérieurs du cinéma de Cassavetes sont devenus un peu les apparats assez faciles pour quiconque veut se réclamer d'avoir une position, un petit peu proche de la vie. Genre, j'enlève le trépied, je suis proche de mes acteurs, je fais des jump cuts, machin, je fais... Mais par contre, il va peut-être souvent manquer à ces films-là aussi ce sens de la durée qui fait que Cassavetes partageait avec Piala de construire leur film sur des gros blocs comme ça, avec aucun trop de soucis d'articulation dramaturgique entre les blocs, de faire l'économie de tout ce qui ferait l'essentiel des films, mais en tout cas d'avoir toute cette durée-là. Et
je pensais, moi je sais que les frères Safdie par exemple, qui font partie de ce courant du mumblecore new-yorkais dont on n'entend plus trop parler maintenant, mais qui avait un petit peu qui avait les honneurs un peu d'une certaine presse, qui intéressait pas grand monde, mais voilà, mais qui était très cinéphile. Ils sont passés très cinéphiles. Bon, les frères Safdie dans leur premier film, moi je m'étais dit, ouais, bon, quel est l'intérêt dans les années 2010 de pratiquer un cinéma d'émuler le truc du 16 mm, d'avoir cette esthétique-là, qui clairement, pour moi, ne me paraissait pas une esthétique propre aux années 2010, mais plutôt proche d'une esthétique qui était celle de Cassavetes. Et donc, ces gens-là, faire valoir le rapport un petit peu très proche du réel qu'ils voulaient avoir, émulaient un style qui était celui qui datait de 40 ans avant. Donc là, je raccroche un peu les wagons, mais avec ce qu'avaient pu ressentir aussi les pubards, on va dire que malgré lui, en fait, Cassavetes a créé des formes, en fait, parce que c'était non pas des formes pour lui, Cassavetes, c'était juste les moyens qu'il avait réussi à avoir avec ses moyens du bord pour atteindre ce crête de lava qu'il voulait avoir en termes d'énergie, on va dire, pour aller vite. Mais par contre, ça a quand même créé des formes qui ont été un petit peu peut-être recopiées sans conscience après. Oui, oui. Bon, en tout cas, c'est un cinéaste qu'on peut aussi assez facilement caricaturer ou qu'on peut imiter ou qu'on peut croire avoir la possibilité d'imiter parce que malgré tout, il est reconnaissable. Enfin, c'est-à-dire qu'on reconnaît assez vite. Alors, ça dépend des films, bien sûr, mais enfin, quand même, globalement, on reconnaît assez vite un film de Cassavetes. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance, il y a un rapport au plan, à l'espace. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a des personnages, qui fait qu'on sait qu'on est dans un film de Cassavetes. Bon, il a un style. Oui, il y a une forme de style quand même, on ne peut pas dire le contraire. Donc peut-être, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien de cette soirée. Enfin, je me rappelle du cadre de la soirée, je me rappelle avoir été embarqué là-dedans et me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais non, mais c'était. Oui, je ne sais pas ce qu'ils en tiraient. Sûrement. Peut-être des plans comme. Enfin, non, mais Mondino est plus intéressant parce que Mondino était pas un pubard au sens strict, même si il était. Il faisait aussi de la pub, il faisait des clips. Mais il était très cinéphile, enfin, il doit l'être toujours, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je me souviens que lui, je pense qu'il avait tiré des idées de gros plans. Je me rappelle parce que j'étais allé sur le tournage du clip de Vanessa Paradis Tandem, donc Mondino avait réalisé. Et je me souviens qu'au final, il y avait des plans qui n'étaient pas des plans de Cassavetes, évidemment, mais qui pouvaient être des idées qu'il avait puisées dans Fécis, par exemple, sur des gros plans, sur des gros plans barrés, comme ça, je ne sais pas, enfin, une ambiance, et que lui, dont lui faisait autre chose après. Lui, il en faisait quelque chose qu'on peut juger plus ou moins intéressant, bon, bref, peu importe, mais on peut aller plus loin, effectivement. La pub recycle tout, de toute façon, la pub recycle tout, c'est son être même, enfin, on pourrait dire, il faut qu'il y ait des créateurs de formes pour que la pub puisse exister. D'une certaine manière, elle n'invente pas grand-chose, en général, ou parfois des gimmicks, mais bon, donc c'est pas si surprenant. C'est vrai que les frères Safdie, j'y avais pas repensé comme ça spontanément, et parce que je les ai pas découverts moi si tôt. Enfin, je veux dire, j'ai découvert qu'ils étaient déjà un peu connus, et j'ai finalement pas forcément vu les films dont tu parles. En tout cas, oui, ils ont sûrement plus cette nostalgie-là. Mais finalement, quand on regarde que tous les cinéastes américains intéressants presque se retournent vers le passé aujourd'hui, on se dit que le cinéma américain des années 70 est devenu depuis on va dire l'âge d'or pour les cinéastes des années 60, 70, et les cinéphiles aussi. Années 40, 50, aujourd'hui c'est 70. Clairement, c'est l'âge d'or du cinéma américain, période confondue. Hein. Il y a plus de discussion maintenant là-dessus. Donc ça fait part, il participe. Enfin, c'est à part, mais c'est en même temps, il est dans le mouvement. Moi, je l'ai pas mal rattaché. Enfin, j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai eu tendance à le rattacher plus qu'à l'époque où j'ai écrit le livre, peut-être parce que j'ai vu plus de films depuis et que je vois mieux comment ça s'inscrit dans un continuum global, je vois que je le rattracherai un peu plus quand même avec le cinéma américain, le Nouvel Hollywood, enfin disons des parties du Nouvel Hollywood. Et chez les Safdie, on trouve à la fois l'influence sans doute de Cassavetes sur certains films, mais aussi de films comme ceux de, je sais pas, je trouve que dans, je sais pas si c'est dans le dernier Uncut Gems, on trouve une influence. Moi, j'ai trouvé que le film se rapprochait d'un film qui s'appelle Le Flambeur de Carole. De Gambler,
Rice, avec ouais. de Karel Rice avec, avec James Caan. Donc ça serait peut-être, voilà, ça c'est à la fois peut-être un peu du Cassavetes et en même temps cette idée là du cinéma américain qui se retrouve aussi. Donc c'est peut-être voilà, il y a peut-être une nostalgie de pour les cinéastes américains d'aujourd'hui pour qui ça semble être quand même dur de faire des films tout court, ouais. peut-être, enfin des films un peu personnels on va dire pour aller très vite, peut-être il y a sans doute une nostalgie aussi de cette période là mais pour les pubards c'était pas ouais. ça la question. et à ce sujet ça croise bien je pense ce que vous vous dites tous les deux. Il y a une phrase moi qui m'avait marqué, alors c'est une courte phrase hein, au début du livre justement que tu avais écrit en 89 hein, je le répète il est sorti toute fin de l'année 89, je me rappelle que c'était en novembre mais et qui moi a un écho aujourd'hui, alors c'est pas forcément même par rapport aux cinéastes supposément influencés par Cassavetes, mais ça englobe à peu près tous les cinéastes reconnus, je trouve, aujourd'hui. Et je voulais savoir si tu étais toujours d'accord avec cette phrase que tu as écrite d'ailleurs. Alors, je dirais que c'est ton procès, quoi. c'est un peu ça, et j'aurais devoir répondre de mes phrases. Jeanne d'Arc. Jamais dans un film de Cassavetes, vous ne trouverez un plan qui vaut pour lui-même ou qui témoigne d'une auto-contemplation du cinéaste. Je ne sais pas si je l'écrirais comme ça aujourd'hui, mais... je trouve assez costaud. Non, mais c'est parce que c'est l'auto-contemplation du cinéaste, c'est justement un reproche que je peux faire, moi, à énormément de films contemporains. Oui, bien sûr. Ah, c'est pas un cinéaste, disons, maniériste, ou je ne sais pas, ou effectivement, qui se regarde filmer, comme on dit, c'est pas du cinéma filmé. Après, il y a des... ce dont je me suis posé la question plus tard, pas la période où j'écrivais le livre, mais plus tard, quand j'ai revu... J'ai passé par une... Moi, à titre personnel, je suis passé par une phase, pas de rejet, mais à un moment j'étais un peu distant, c'est-à-dire que comme finalement Cassavetes ça avait un peu disparu, je sais pas, moi-même j'étais dans une distance parce que c'était plus ce que j'avais envie de voir à ce moment-là, et puis je m'y suis replongé à l'occasion de projets divers, et puis finalement ça m'a repris, mais ça fait quelques années seulement. Il y a eu une éclipse aussi pour moi aussi dans le rapport à Cassavetes, donc je me suis demandé à un moment donné s'il n'y avait pas quand même des effets, c'est-à-dire des effets de répétition. Par exemple, vous pouvez se poser la question sur la présence des perches dans les plans, qui étaient devenus presque une marque de fabrique de certains films de Cassavetes. Demandez s'il le faisait pas exprès, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se demander. Qui est un des grands défenseurs de Cassavetes. Oui, et puis peut-être ça devenait presque un effet de signature. Donc il y a peut-être eu. Je suis pas sûr qu'il y ait eu consciemment une volonté de. J'ai l'impression qu'il a pas fait assez de films non plus pour ça. Et puis peut-être qu'un cinéaste, quand il fait un film, c'est pas ça qu'il a en tête de toute manière. Il est en train de faire son film. Il a plus tellement d'autres choses à penser. Mais comme tu le disais, c'est aussi un marchand. Tapis quelque part en fait, c'est-à-dire qu'il est Cassavetes, le personnage, pas dans forcément ses films, mais le personnage est pas tout blanc en fait. Il a quelque chose justement un peu de l'escroc parfois, alors pas dans ses films hein, mais le personnage lui-même. Alors évidemment, est-ce qu'on peut pas remettre en question certaines choses cette figure assez étrange finalement d'un film dont on n'a pas parlé, Meurtre d'un bookmaker chinois, qui est peut-être mon préféré aujourd'hui, ou un de mes préférés en tout cas, parce que j'ai peut-être changé d'objet d'élection finalement là avec le temps. Qu'avant c'était quoi? Non, je pense qu'à l'époque du livre c'était plutôt Faces et peut-être Une femme sous influence. Aujourd'hui ça serait peut-être plutôt Meurtre d'un bookmaker et Gloria finalement. Parce que tu disais qu'à l'époque Husband était plus visible à l'époque, ouais. et j'ai l'impression quand tu écris le livre, que Husband, étant donné que c'était le film qui était un peu plus connu à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est presque l'inverse. Hein. Il existe, je crois, quand même. Ah oui, il est sorti chez Whiteside. Oui, c'est peut-être pas probablement le film le plus vu, et sans doute que c'est un film qui serait peut-être aussi plus en but à des accusations. Peut-être. Mais je peux comprendre que. Non, moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais peut-être parce que je crois qu'aujourd'hui je préfère d'un bookmaker, qui est quand même un film que j'ai vraiment... c'est peut-être celui que j'ai le plus vu aussi, et Gloria, pour d'autres raisons, qui est un film qui a été longtemps sous-estimé, hein, que Cassavetes lui-même ne considérait pas comme un film vraiment... Ce qu'il a fait pour les studios, enfin c'était Columbia, je crois. Ouais, mais c'est marrant, parce que moi, il y a un truc qui m'a pas mal intéressé aussi, dont on n'a pas parlé pour l'instant, et dont on parle, et dont je dois parler un petit peu dans le livre, mais pas tant que ça, et c'est aussi comment, dans les derniers films,
y compris Opening Night, c'est-à-dire à partir de 77. À partir de Meurtre d'un Bookmaker, ouais. Et Opening Night, Gloria, et puis surtout davantage Gloria, comment il s'appelle, Love Streams. Ah, Love Streams. Là, on a presque quelque chose de plus abstrait qui arrive chez Cassavetes, c'est un truc presque un peu onirique par moment, mental, avec des scènes. Alors bon, il y a pas que ça, hein, mais on sent que son cinéma va vers autre, un peu autre chose. Et ça, je m'en étais déjà un peu aperçu à l'époque, puisque je crois que c'est bon, il y a un chapitre un peu autour des, mais c'est devenu plus clair peut-être après, où tout d'un coup il y avait une inflexion aussi, et ça on n'en parle pas beaucoup non plus, parce que ça va un peu, ça va un peu moins dans le sens de ce que je disais, l'incarnation, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'instant, l'instantanéité, enfin bref, tout ce qui fait un peu la légende quand même, et en même temps la réalité, hein, du style de Cassavetes. Mais il y a cette inflexion-là qui m'a vraiment intéressé. On ne peut pas dire que Gloria soit un film onirique, parce qu'il y a des petites touches quand même. Mais... Il y a un final, justement, je comptais moi terminer, il n'est pas encore temps, mais... Gloria, le final de Gloria, pour moi, alors tout Gloria relève presque du conte, c'est-à-dire qu'en effet, tu le dis, hein, de toute façon, à chaque coin de rue, quand Gloria se balade, elle croise un mafioso, voilà, quel que soit l'endroit où elle est, elle va en croiser un, donc en effet, en termes de spatialité, alors que le film s'ouvre presque comme un après-midi de chien de lui mettre avec des plans de la ville, comme quoi on en crée quelque chose, voilà. Mais non, le film, en fait, constamment va avoir un aspect presque onirique, et puis le final de Gloria, la dernière séquence du film, pour moi, et pourrait être une séquence quasiment rêvée. C'est-à-dire que, comme par magie, ce petit garçon va retrouver Gloria, alors que techniquement, si on prend c'est peu probable qu'elle s'en soit sortie vivante, en fait, de cette embuscade dans laquelle elle était, quoi. Oui. Et puis Love Streams, en effet, Love Streams a beaucoup. Ça m'avait beaucoup surpris d'ailleurs, parce que moi j'ai vu le film à sa sortie, étant donné mon grand âge, Gloria, qui est sorti au tout début des années 80. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure je disais, j'ai découvert Cassavetes par les dossiers de l'écran, Une femme sous influence. Puis après, je suis passé direct à Hasbuns au milieu des années 80. Mais entre temps, j'avais quand même vu en salle, donc de manière contemporaine, Gloria et Love Streams. Mais bizarrement, ces deux films que j'avais aimés, mais qui se reliaient pas complètement avec avec ce que j'ai découvert ensuite chez Cassavetes, vraiment, enfin que j'ai creusé à partir de Hasbuns. Donc c'est marrant parce qu'il a fallu que je les raccorde plus tard ou les raccroche au wagon plus tard. Et oui, cette fin m'avait beaucoup décontenancé à l'époque. Je l'avais trouvé problématique même, je pense, je me souviens, parce que je me suis dit, mais pourquoi il nous fait ça, comme s'il fallait revoir le. Voilà, j'aimais pas l'idée d'une sorte de chute, quoi, de film à chute. Chercher le happy end, c'est-à-dire cherche l'espoir, on cherche le. Et après, je crois que le statut de cette séquence, finalement, maintenant, pour moi, est totalement incertain. C'est-à-dire qu'en effet, on peut supposer que ça soit une séquence rêvée, d'autant plus qu'il y a un traitement de l'image différent. Enfin bon, voilà, qu'on est dans un truc très improbable en termes de récit. Et comme tu l'as dit, ça va dans le sens du conte. Donc finalement, maintenant, je le vois plus comme quelque chose dont l'enjeu n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais qui finit par s'intégrer dans ce récit qui, de toute façon, est très improbable. Oui. Peut-être pas au début, parce qu'en effet, au début, il y a une forme de réalisme brutal dans New York. Mais au fur et à mesure, le film va ailleurs. Et c'est vrai que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et effectivement, dans Love Stream, c'est beaucoup plus marqué, parce que là, il y a vraiment des séquences. Le film est très onirique, au fond, même s'il paraît au départ, là aussi, un peu réaliste. Mais il est très, très onirique. Mais Opening Night aussi, c'est-à-dire qu'en effet, comme tu le mentionnais, donc c'est pas un cas isolé en fait dans la filmographie de Cassavetes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et on a de plus en plus justement cet onérisme qui, en tout cas, a une importance cruciale dans. Il faudrait savoir si ça a un rapport avec son alcoolisme. C'est une idée qui me vient comme ça spontanément. Non, mais parce qu'il, c'est vrai, il était alcoolique. Il est un peu mort quand même. Et son alcoolisme, visiblement, c'est accentué. Bon, comme toujours dans ces cas-là, c'est quand même accentué au fil du temps. Donc on peut supposer, sans avoir une certitude claire, que la deuxième moitié des années 70 et première moitié des années 80, quand même, il était plus marqué par sa consommation d'alcool et par cette espèce de. Comme il n'est pas du tout. C'est pas un cinéaste psychédélique dans le sens où il n'a pas eu. C'est pas Denis Rider, Super. Ouais. Voilà, on sent bien que c'est pas le LSD et autres substances qui l'ont. Un pétard sans doute, mais ça, c'est pas un problème. Mais en revanche, il n'est pas dans ces idées de flux. Donc je me suis demandé, ou je pourrais me demander aujourd'hui, comme ça, en réfléchissant de façon avec vous.
si effectivement c'est pas ça qui l'a poussé, probablement pas, parce que ça peut pas être expliqué par une seule cause, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une inflexion, et c'est surtout moi ça me rend un peu frustré de pas avoir vu une suite de ses films, parce que bon, il s'est arrêté pour les raisons qu'on sait, hein, et voilà, il était plus en état en plus de faire des films à un moment, il était vraiment, moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur Cassavetes, quand j'ai commencé mais l'idée, on me disait non mais parce que il y avait quelques personnes aux États-Unis qui c'était impossible de le rencontrer, qu'il était dans un état, et de fait il est mort quelques mois après, donc ça c'était pas du pipeau, mais voilà, donc je sais pas si c'est lié à ça, sûrement pas qu'à ça. Est-ce qu'il y a eu aussi un retour du théâtre à ce moment-là dans sa vie d'artiste, alors un peu parce qu'il avait du mal à faire des films et puis parce que il était un peu fatigué, surtout vers parce que demandait une énergie folle de toute façon, hein, donc oui, bah du temps, de l'énergie, voilà, on voit bien. Et le théâtre est revenu alors qu'il en venait, hein, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses débuts plutôt du côté du théâtre, avec effectivement ses ateliers aussi d'improvisation qui ont mené à Shadow, son premier film dont on n'a pas vraiment parlé, qui est quand même un film, un geste central. Et on voit d'ailleurs une évolution de son travail, parce que quand on regarde Shadows aujourd'hui, si on compare Shadows avec Love Stream, je pense que c'est pas du tout la même énergie. En réalité, c'est le même cinéaste, mais c'est pas la même énergie. Il y a quelque chose, il y a une forme de, comme ça, de je sais pas, de jeunesse. Oui, on peut dire tout simplement, enfin de manière presque banale, dans Shadows, une énergie de la jeunesse qui est hyper présente chez les personnages, mais aussi dans la manière de filmer, de couper. Enfin, c'est un film qui a beaucoup de charme sur ce terrain-là, alors que c'est plus du tout la même. La question est pas du tout la même 25 ans plus tard, ou pratiquement 25 ans plus tard, oui, 25 ans plus tard dans Love Streams. Donc peut-être en 25 ans, d'ailleurs, il a compressé. 25 ans, c'est déjà pas mal pour un cinéaste, mais bon, il y a des gens qui tournent pendant 50 ans ou 60 ans, et lui, en 25 ans, je crois qu'il a compressé ce que d'autres auraient fait en effectivement 50 ou 60 ans. Et Big Trouble, parce que du coup, on évoque assez peu, et t'en parles dans le film comme un film de lui. Je l'ai vu à l'époque parce que je suis consciencieux et que j'avais réussi à trouver. Mais tu l'intègres dans le corpus cassé. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui j'en ferai autant, parce que oui, il y a une forme de. C'est dans mon souvenir, parce que j'ai parlé. Je répète, Big Trouble, donc c'est un film qui. C'est son dernier long métrage signé par lui, officiel. Il a récupéré parce que Peter Falk tournait dedans, il a remplacé un réalisateur en fait. Andrew Bergman, ce réalisateur, pas Ingmar. On est bien d'accord. Non, oui. Mais je pense que c'est aujourd'hui un film que je n'intégrerai pas totalement dans le corpus. Le souvenir que j'en ai, c'est que j'avais effectivement essayé de le rattacher un peu au forceps par une sorte de loufoquerie et de folie qu'il y a dans le film, et qui pouvait effectivement se rattacher à cette tradition de la comédie américaine, la screwball comedy, quoi, en fait. C'est ça. C'est quelque chose qui pouvait l'intéresser, qui pouvait lui plaire malgré mais tout. Je crois et puis qu'il a vraiment fait le film. D'abord, il l'a repris en cours de route, donc il n'en était que le deuxième cinéaste, enfin, qui effectivement a signé le film. C'est-à-dire qu'il n'est pas au cœur du projet. Bon, voilà, donc pour lui, c'est sans doute un peu compliqué. Je ne pense pas qu'il le reconnaissait comme un film à part entière. Et puis, il était déjà malade, je crois. Donc il n'était pas non plus. C'est un film alimentaire quand même pour lui. C'est-à-dire oui, que, puis même en termes de forme, on ne retrouve pas ce qu'il a pu faire justement. C'est-à-dire que c'est très classique, c'est très académique même en après, fait, comme film. Après, on dépasse après en France pour défendre des films qui ont été des films alimentaires pour les cinéastes et qui sont devenus les parangons du cinéma. La politique des auteurs, donc on pourrait le faire aussi. Et c'est un petit c'est ce peu ce que tu j'avais sans doute essayé de faire. Dans ton livre. Pas énormément quand même, parce que c'est quand même pas un film tout ça pour te faire accepter au cahier du cinéma et en devenir rédacteur en chef, il fallait que tu sois plus autoriste. T'arrives à le citer quand même à plusieurs reprises, oui, que ce soit pour parler de la communauté, de la famille. Non, parce que j'avais fait des tableaux, tu vois, à l'époque je travaillais, j'étais plus scolaire, j'avais fait des tableaux sur des thèmes avec tel film et tel film. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque on travaillait pas de la même manière parce qu'on n'avait pas les films à disposition tout le temps. Donc il fallait travailler de mémoire à partir des notes et parfois on pouvait revoir les films. Mais et leur faire dire ce qu'on veut. Ça fait partie de l'histoire de la critique d'avoir rêvé les films parfois plus que les avoir vus, mais aussi de les avoir rêvés et que ça ait donné parfois des choses bien ou pas d'ailleurs. Mais non, mais je veux dire, c'est vrai que j'avais pas la même. Oui, on n'avait pas le même. Aujourd'hui, on peut revoir en permanence, on peut écrire en regardant le film, quoi. Ou en s'arrêtant, en revenant. Enfin, on peut avoir une description vraiment très précise du film là à l'époque. Bon, c'est pas. Non, mais Big Trouble, oui. Ça me paraît. Oui, j'étais sûrement dans cette idée de la politique des auteurs jusqu'au boutiste, où chaque film d'un auteur est un film d'auteur, au fond. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, je serais peut-être un peu plus nuancé sur cette question-là. C'est-à-dire que ça marche pour des cinéastes hollywoodiens à part entière, parce que, de toute façon, ils étaient
plus ou moins bloqués, dans la contrainte. Donc, il fallait que... donc la contrainte faisait partie de leur travail. Alors ils s'en sont plus ou moins échappés, ils ont trouvé des bons, voilà. Mais quand même, alors qu'avec Cassavetes, même si la flirte, même si au fond il a fait trois films pour les studios, pour les studios, c'est déjà pas mal. Sur il a pas voire quatre, hein, parce que Gloria est l'entre deux. Ouais, je parlais puis... de Gloria, Charles is Waiting. Ouais, je citais pas Big Trouble justement, je prenais les deux premiers films, donc le deuxième et le troisième film. Toilette Blues et puis Un enfant attend, qui est un beau film d'ailleurs, enfin les deux. Et puis Gloria, qui est un film produit par Columbia, je crois. Donc, Alors c'est quand même écrit par Cassavetes. Oui, mais lui c'est un film qu'il considérait pas comme un film important. Hein. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure là, mais Gloria. Alors qu'aujourd'hui à revoir, c'est un pur film. Alors là, par contre, on est totalement dans l'idée de la politique des auteurs. C'est-à-dire que même si lui ne considérait pas, on parce que tout voilà, là il est entièrement. Et je pense que je suis pas le seul d'ailleurs à penser ça. C'est vraiment aujourd'hui pour moi, c'est presque un de ses plus beaux films. Mais peut-être, mais c'est ce que je me suis dit en le revoyant, c'est-à-dire que pendant longtemps, moi j'ai vraiment, alors pas rejeter Gloria, mais en effet, il était en dessous parce que voilà, il rentre dans quelque chose de non pas plus académique, mais en tout cas un récit plus conventionnel, c'est sûr. Bah après, le film raconte vraiment ça en fait. Je veux dire, il y a vraiment c'est deux films, c'est évidemment. Oui. C'est marrant, on est vraiment typiquement. Comme Meurtre d'un bookmaker chinois en fait. Meurtre d'un bookmaker, effectivement, on pourrait se croire, Meurtre d'un bookmaker, oui, c'est un vrai film noir, il en a l'esprit, on va dire, mais bon, au final, voilà, on n'a pas l'impression de voir d'un coup Cassavetes qui débarque dans un film qui n'est pas le sien, alors qu'il fait un peu tout le sel de Gloria, c'est un peu ça. Et c'est vrai que tu soulignais le caractère un peu fantasmatique de tous les truands qui sont là, oui, tu te dis, oui, effectivement, ils ont l'air fantasmatiques aussi parce qu'en fait, ils ont presque rien à foutre dans ce récit qui intéresse, qui est presque proprement cassavetien, de la relation entre ce jeune garçon et Gina Rowlands, qui là serait le film de Cassavetes et qui serait dans un film de gangster des années 80, voilà, les deux s'affrontent et c'est fertile en fait ce truc-là. Mais par contre, on n'est pas non plus totalement comme quand Coppola investit le film de gangster dans Le Parrain ou je sais pas quoi, où il y a une sorte de fusion qui se fait où tout est beaucoup plus harmonieux, on va dire. Là, on a l'impression qu'il y a deux blocs quand même qui s'affrontent. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que les personnages de mafieux, que ce soit d'ailleurs dans Meurtre d'un bookmaker ou dans Gloria, ils sont assez à part par rapport au reste du cinéma américain, les personnages de mafieux dans les films d'abord parce qu'ils sont joués par des acteurs genre Seymour Cassel par exemple, ils sont sympathiques. Oui, ils sont presque sympathiques. Sont assez ils sont aussi ce coefficient d'incarnation, c'est-à-dire que c'est pas des figures de cinéma pur, quoi. Ils ont vraiment un truc, ils sont un peu mal habillés. Bon, ça arrive. On se pose avec eux dans un comptoir pour boire c'est un coup. C'est pas l'image de la mafia vraiment la abstraite comme ça. Enfin, le mal incarné, quoi. Ouais. C'est un mal beaucoup plus insidieux finalement, et peut-être plus réaliste finalement, plus proche de la réalité. J'en sais rien, je suis pas très. Si, mais ça fait c'est des mafieux tels qu'on va les trouver dans les un peu chez Scorsese, exemple, chez Les Sopranos. C'est Jarmusch il fait Ghost Dog et tout ça. Mais plus tard. Plus tard. Et c'est en effet, c'est-à-dire que dans le Meurtre d'un bookmaker ou dans Gloria, quand on les découvre ou quand on les voit en général, bah ils sont attablés et puis on boit un coup avec eux. Alors on va les braquer de temps en temps, on va se tirer dessus, mais on va communiquer, on va dialoguer avec eux. Ils vont nous dire je t'aimais bien, t'es un copain, des choses. Enfin, toujours un échange comme ça, en fait, avec ces soi-disant méchants, ces mafieux, justement. Il y a un lien avec eux, alors que ça soit pour Gloria ou pour Meurtre d'un bookmaker chinois, c'est évident qu'il y a... Cassavetes parle de son rapport, voilà, c'est le rapport du cinéaste avec justement l'industrie ou d'autres choses. Enfin, c'est ça qui rend les films assez intéressants aussi, je trouve. Et justement, c'est pas le mal absolu, au contraire, on dialogue avec cette industrie, avec ce système. C'est d'autant plus vrai dans Gloria que le chef, enfin celui qui est identifié comme une sorte de chef, je sais pas c'était quelle son mafia, amant, c'était un ancien amant de Gloria. On sait pas très bien, c'est pas clairement expliqué, mais enfin, on sait qu'il y a eu ça entre eux. Il y a une histoire forte que elle connaît tous ces gens, enfin qu'elle sait de quoi elle parle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut se sortir aussi de situations, on va dire, assez improbables. Mais elle n'hésite pas à tirer dessus. Voilà. Elle n'hésite pas, elle justement. Elle est elle-même presque, d'une certaine manière, elle fait presque... En tout cas, elle a fait partie, à sa façon, de la mafia. Donc, oui, il y a une proximité. Donc, c'est ça qui est assez passionnant. C'est intéressant parce que c'est vraiment... par exemple, chez Lynch, si on refait une comparaison qui n'a rien d'intérêt... Enfin, qui n'est pas tellement... Non, mais c'est juste parce que chez Lynch, au contraire, lui, il joue sur la limite.
l'imagerie. Oui, oui, oui. Il travaille l'imagerie. Oui. Il en fait autre chose, mais il travaille à partir de l'imagerie sur les questions de mafia en particulier. Ouais, ouais, je pense dans Mulholland Drive, par exemple, ouais, où là, on a un peu les caricatures à sa façon. De la figure, enfin, justement, fantomatique, voilà, presque, et puis diabolique. Ou dans Lost Highway. Enfin, bon, on sent que c'est l'intérêt. Mais c'est donc, il travaille sur le mythe. On va dire que c'est à partir du mythe qu'il fait quelque chose d'autre. Alors que Cassavetes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, il démythifie d'une certaine manière la mafia. Il la rend, humaine, un peu nue, le roi est nu, quoi, comme on dit. Et ça, c'est très à part parce que on n'a pas beaucoup vu ça au cinéma. Encore une fois, c'est l'antithèse de Coppola, même si j'adore les parrains. Là, on est dans une toute autre histoire. On est quand même dans la mythologie. On est chez Visconti. On est dans un truc politique presque. Ouais. Tu cites Dostoïevski à plusieurs reprises dans le bouquin par rapport justement à cette capacité des personnages à être justement même s'ils sont censés être les méchants, ils ont leur humanité et puis ça les rend justement sympathiques, quoi. Il est temps malheureusement de nous quitter. Je suis ravi d'avoir pu faire cette émission avec vous, messieurs, Antonin, hein, bien sûr, et puis Thierry Jousse, merci d'avoir participé à cette émission. Alors, beaucoup d'actualités toujours, Thierry. On te retrouve sur France Musique tous les samedis à 13h pour Ciné Tempo. On peut retrouver, alors si je conseille à tout le monde d'aller écouter, je pense que c'est toujours disponible en podcast, Retour de Plage, l'émission quotidienne pour le coup de l'été, impeccable, mais c'est pas forcément en rapport avec le cinéma, mais la programmation musicale est un très très gros plaisir. J'ai passé un très bel été grâce à toi. J'en suis ravi, je te remercie. Merci beaucoup. Et donc Ciné Tempo à 13h tous les samedis. Ton ciné club, alors c'est plus à l'Arlequin, c'est au Nouvel Odéon, qui est rue de l'école de médecine, donc pour les Parisiens, pour les Parisiens, passage à Paris, voilà. C'est dans le 6e, c'est juste derrière la station. Les dimanches à 18h. Voilà, c'est les dimanches à 18h. Alors t'as démarré l'année avec un cycle de John Ford. Je songe sérieusement à faire un cycle Cassavetes dans les prochains mois, parce que ça me sera une manière de revenir dessus pour moi aussi intéressante avec des publics qui redécouvraient ou redécouvriraient les films. Bon. Donc à suivre. Merci. Il faudrait vraiment avoir de la réédition de Cassavetes en salle. Moi je dis Cassavetes que je passe. Il y en a eu il y a quelques années, c'est vrai que ça arrive, mais c'est vrai. C'est... Bon, un ciné-club, ça sera très bien. Et puis la dernière actualité, c'est donc la sortie, on le disait au début de l'émission, hein, chez les éditions Marest de ton dictionnaire enchanté de la musique au cinéma. On y reviendra de toute façon dans cette émission. Merci Thierry d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Et puis on se quitte avec un extrait justement de Gloria de John Cassavetes. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao. Des bisous. I asked you once if I could be your mother. You didn't want that. You want to be my mother? You could be my mother. I don't have any mother. So you could be my mother. Why would you want to be my mother? I don't know. Just want to clear things up. You're my mother. You're my father. You're my mother. You're my whole family. You're even my friend, Gloria. You're my girlfriend, too. Well, I'd like to be family. You think they're gonna catch us, huh? I don't know. Probably. We can't beat the system. What's the system? System? I don't know. Then how do you know you can't beat it? Well, not too many people have. Then have some people did? Yeah, I think so. I don't know. Hey, Gloria, we gotta try. Even if we get shot. Because you can't just keep on shooting everybody that goes knocking on your door. Go to bed. Sure. We'll have a good night's sleep. Wake up tomorrow.
You'll think of something. Yeah.